Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, on est ensemble pour une nouvelle heure d'infos en direct et Bordeaux fête le fleuve, vous le savez, hein, c'est ouvert hier sur les quais et si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez vivre l'événement sur TV7, nouvelle édition spéciale ce soir. On va retrouver tout au long de la soirée Benjamin Bardel. Et Benjamin, bonsoir à vous, on voit vous êtes place des Quinconces, alors plein de nouvelles découvertes au programme ce soir. Oui, bonsoir Raphaël. Regardez, en exclusivité, je vous montre l'ONBA, l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, qui est en train de répéter sous la direction de Paul Daniel, Carmina Burana, puisque ce soir, c'est la musique classique qui est à l'honneur dans cette fête du fleuve. Et pour encadrer notamment ces immenses concerts, il y a des bénévoles en action. Une association bordelaise, ils sont plus de 100 ici à travailler pendant 4 jours. La fête du fleuve, ce sont 300 000 personnes jusqu'à dimanche qui vont se promener sur les quais. Je vais vous emmener tout à l'heure, Raphaël, à la rencontre d'un navigateur qui a traversé à la rame l'Atlantique et qui a découvert beaucoup de plastique. Aujourd'hui, son combat, c'est de sensibiliser notamment les scolaires. Et puis, on ira sur la Garonne pour voir la fête du fleuve depuis la Garonne. Et on vous emmènera aussi voir aussi la gastronomie parce qu'il y a du vin, il y a aussi de la bonne bouffe du sud-ouest pendant cet événement. Vous entendez là, c'est répète, hein, c'est ce soir. Merci beaucoup. Merci Benjamin, on vous retrouve bien sûr tout au long de la soirée en direct pour vivre cet événement, on le voit, qui est en train de se préparer, notamment ce concert. Et puis sur TV7 ce soir, vous retrouverez aussi un nouveau numéro de votre émission Opinion, décryptage de la réforme de l'assurance chômage avec un membre de la CGT. Et puis on fait le tour de l'actualité dans la région cette semaine avec votre hebdo vidéo. Vous verrez notamment que ce sont plus de 52 000 élèves qui passaient le bac cette année en Nouvelle-Aquitaine. Et tout de suite les titres de l'actualité. Un nouvel établissement culturel à Bordeaux, le musée Mer Marine, conçu et financé par le promoteur bordelais Norbert Fradin, ouvrait officiellement ses portes au public ce vendredi dans le quartier des Bassins à Flots. Visite complète dans ce journal. Une cellule dédiée à la gestion des squats dans l'agglomération bordelaise, elle a été présentée aujourd'hui en conseil de Bordeaux Métropole. Objectif, gérer les squats mais aussi le devenir de ces bâtiments après leur évacuation. Êtes-vous plutôt team chien ou team chat des cendriers vous permettent maintenant de voter en un geste simple et surtout écologique. Ils sont en test dans la métropole pour lutter bien sûr contre la pollution des mégots. La météo, l'été est arrivé, même si ça ne se voyait pas vraiment aujourd'hui, demain ça devrait s'arranger. Une vraie journée estivale nous attend avec de belles éclaircies et des températures de saison. Il fera entre 26 et 28 degrés en Gironde. C'est donc ce vendredi qu'ouvrait le musée Mer Marine au Bassin à Flots. Un an après la date d'ouverture prévue, le promoteur immobilier Norbert Fradin a pu inaugurer le bâtiment. La majorité du parcours permanent a donc été dévoilée ce matin au public. Reportage avec Clément Delaveau. La peinture est encore fraîche et le personnel passe un dernier coup d'aspirateur. C'est le jour J pour le musée Mer Marine de Bordeaux. Après 3 ans de travaux express et une exposition sur Monet avortée, la collection permanente dédiée à la mer vient d'ouvrir au public ce vendredi. Les premiers visiteurs en ont pris plein la vue devant les bateaux flottant dans le vide. Le fait d'avoir suspendu tous ces navires justement sur toute la hauteur du bâtiment, c'est quelque chose de très joli. Je trouve que c'est assez poétique comme ça a été mis, c'est très sympa, moi ça m'a beaucoup plu. Le musée revient sur la navigation au cours des siècles, allant du Drakkar au Titanic, en passant par l'histoire maritime de Bordeaux, le tout dans une scénographie très épurée. Et si son ouverture coïncide avec la fête du fleuve, ce n'est pas un hasard. Elle a repris le thème de cette édition, Liberté, pour l'explorer à travers une exposition de saison. Et à l'origine de ce musée privé, Norbert Fradin, promoteur passionné, qui fait découvrir ses collections. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de musées qui soient aussi transversaux que celui-ci, puisque c'est toujours sur la base d'un thème, des musées un peu à vocation orientée sur le militaire ou sur la plaisance. Alors qu'ici, nous traitons un peu de l'ensemble du panel des sujets liés à la navigation et également de la mer, des océans et des problématiques environnementales qui se posent aujourd'hui. Pour compléter ce parcours permanent, depuis un mois est ouvert une exposition temporaire autour de Sampé et à venir, courant juillet, un troisième étage consacré aux océans.
Conseil de Bordeaux Métropole ce vendredi, une hausse des tarifs de 3% a été votée pour le réseau TBM. Le prix du T-Card pour un voyage ne bouge pas. Cependant, le deux voyages baisse de 10 centimes et une hausse de 50 centimes est prévue à partir du 1er août pour le carnet de 10 voyages. Et puis, autre dossier, la création d'une mission squat qui doit être opérationnelle à l'automne. L'idée, c'est de créer une cellule dédiée à la gestion de ces squats. Ce qui a poussé la métropole à créer cet outil, c'est le nombre de squats, 130 aujourd'hui dans l'agglomération, un nombre qui ne fait qu'augmenter d'année en année. Écoutez. Nous avons aujourd'hui une réalité qui touche, bien sûr, les squats avec une présence forte de familles roumaines, bulgares, mais au-delà de ça, près de 2000 personnes, enfants et familles, dans les squats, et que laisser penser que ceci va se régler à travers une mission où les actions des uns et des autres serait ne pas tenir un discours de vérité. C'est une préoccupation durable. Dans le temps, je crains que nous ayons, dans la métropole et dans bien d'autres territoires, à prendre en compte de plus en plus ces réalités-là qui sont liées aux fragilités économiques et sociales planétaires qui se dessinent et qui sont une réalité aujourd'hui. Donc il s'agit de voir comment nous pouvons mettre en place le maximum d'outils dans la boîte à outils permettant de traiter dans les compétences de l'État une situation, des situations qui sont bien évidemment extrêmement préoccupantes pour tout le monde. Donc ça s'inscrit sur le long terme, si on veut. Ça s'inscrit forcément sur le long terme. Dans le reste de l'actualité, un jeune armé d'un couteau a planté son arme à la gorge d'un autre adolescent. C'était ce mercredi devant le lycée François Mauriac dans le quartier de la Bastide. Et la victime a été hospitalisée. Aucun organe vital n'ayant été touché. Il a pu ressortir hier. Il a été entendu par les policiers qui ont ouvert une enquête pour tentative de meurtre. L'agresseur, lui, est toujours en fuite. Et puis politique, le parti de Marine Le Pen a désigné sa tête de liste pour les élections municipales à Bordeaux. Bruno Paluteau, actuel conseiller municipal à Bègles et conseiller régional, vise donc les 10% en Gironde. Le Rassemblement national ambitionne de faire élire 50 conseillers municipaux. C'est une manière originale de lutter contre la pollution des mégots de cigarettes à Bordeaux. Chaque année, 35 tonnes, soit 200 millions de mégots sont ramassés au sol. Alors pour inciter les fumeurs à faire le bon geste, Bordeaux Métropole a mis en place au début du mois de juin, pour une période de 2 mois, des cendriers à vote. Thomas Gonsalves. Un mégot en guise de jeton de vote. C'est le nouveau moyen trouvé par Bordeaux Métropole pour inciter sans contraindre les usagers à faire le bon geste. Les mégots des 4 cendriers Nudge de la ville sont régulièrement ramassés et cette collecte fait notamment l'objet d'une étude. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui avec cette deuxième expérimentation, c'est est-ce qu'un message social également sur le cendrier vient renforcer ou pas l'effectivité de celui-ci? Est-ce que le fait que le message de vote soit changé régulièrement ou pas va aussi avoir un impact sur l'efficacité de ce dispositif? Et également la couleur, puisque tous les cendriers qu'on a posés, il y en a 4 au total, ne sont pas forcément jaunes. Il y en a qui sont de couleur noire, donc un peu plus discrètes. Ecomego, une start-up bordelaise qui travaille autour du recyclage de ce déchet, développe également ses cendriers ludiques. Ici, il n'y en a plus, ils ont tous été vendus. Alors parce qu'il y a une forte demande justement de trouver de nouveaux concepts pour attirer les fumeurs dans des espaces pour être sûr qu'ils mettent bien leurs mégots dans des cendriers et non par terre. Donc on a effectivement plusieurs concepts, on a des cendriers à vote, on a des plaques au sol, on a enfin tout type, des bancs, etc. En tout, ce sont plus de 10 millions de mégots collectés par les cendriers d'Ecomego. Si ce chiffre est satisfaisant, beaucoup de cigarettes sont encore jetées par terre. Le mégot pollue énormément l'environnement. C'est notamment le premier déchet qu'on trouve dans la mer Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée juste pour un mégot. C'est 2500 composés chimiques dans le filtre. C'est 16% des départs de feux de forêt sont dus aux mégots de cigarettes. C'est plus de 40 milliards de mégots de cigarettes jetés par terre. Donc il y a vraiment un fléau environnemental. À noter, un mégot met environ 12 années à se dégrader. C'est pourquoi la start-up bordelaise a décidé de recycler ce déchet en combustible et Bordeaux Métropole envisage également la solution du recyclage.
Voilà, et un programme chargé ce week-end à Bordeaux entre la fête du fleuve, les épicuriales, mais aussi le Décastar. Il est en effet exceptionnellement organisé ce week-end alors qu'il a traditionnellement lieu en septembre. Et la 43e édition du Décastar se déroule donc au stade de Thouars à Talence et Kevin Mayer sera de retour après son record du monde en septembre dernier. Et puis autre événement emblématique à Bordeaux, la traversée de la Garonne, c'est ce dimanche, un événement que vous pourrez suivre sur TV7 à partir de midi. On suivra en direct la première vague de nageurs, une traversée plutôt insolite mais sécurisée. Écoutez. L'idée, c'est de pouvoir nager en toute sécurité. On essaie de le faire une fois par an avec le club des Girondins de Bordeaux Natation, l'organisateur. Et encore une fois, en effet, nous aurons plus de 410 nageurs qui vont s'élancer avec trois vagues. Une première vague à 12h30, une deuxième à 13h45 et une troisième à 15h05. On fait partir les nageurs avec le courant qui commence à descendre. Donc les nageurs qui partent au début sont les nageurs les moins rapides pour pas qu'ils aient des courants qui soient un petit peu contre eux. Et plus ça va, plus il y a de courant, plus les nageurs ont un niveau important. Donc à la fin, la troisième vague, il y a un maximum de courant. Les nageurs font 1700 mètres en 13 minutes. Donc ça veut dire qu'on peut plonger dans la Garonne, boire un petit peu d'eau et pas se retrouver malade en sortant, quoi. On est bien d'accord. En plus de 10 ans, c'est plus de 5000 nageurs. On n'a jamais eu une plainte de quelqu'un qui aurait fait un séjour à l'hôpital derrière pour avoir ingurgité trop d'eau de mauvaise qualité. Le plus important, c'est de se faire plaisir, de profiter du paysage aussi, découvrir Bordeaux, patrimoine UNESCO depuis la Garonne, c'est quand même assez surprenant. L'objectif principal, c'est de vaincre la Garonne, vaincre de cette appréhension, de sa couleur, de ses tumultes, etc. Et de pouvoir sortir de là en ayant vaincu la Garonne et d'être fier d'avoir fait 1700 mètres d'une rive à l'autre. Voilà, la traversée de la Garonne, c'est donc à vivre ce dimanche à partir de midi sur TV7. Nous serons en direct pour cet événement. Et puis sur TV7, on vous fait également vivre en direct la fête du fleuve. On retrouve tout de suite Benjamin Bardel qui est sur place pour nous ce soir. Et vous le voyez, on dirait bien que l'Opéra de Bordeaux est en train de s'entraîner pour le concert de ce soir, Benjamin. Oui, Raphaël, regardez, je vous montre en direct et en exclusivité la répétition de Carmina Burana. Vous le voyez, il y a Paul Daniel, le chef d'orchestre de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, l'ONBA. Ils sont en train de répéter car chaque soir, il y a en effet beaucoup de musique pendant cette fête du fleuve. On est en plein cœur de la place des Quinconces où tout s'installe, la sécurité. Derrière moi, ce sont les buvettes, hein, important les buvettes, avec modération et dans ce genre d'événement. Les gens aiment bien se rafraîchir. Et puis, bien sûr, il y a aussi toute l'équipe qui va accueillir le public. Écoutez quand même là. C'est en direct les centaines de musiciens et choristes qui sont en train de répéter pour ce vendredi soir. Et puis il y a des bénévoles, car il existe à Bordeaux, Raphaël, une association qui s'appelle Bénévoles en Action. Et Maxime Venandi fait partie de ces bénévoles. Maxime, Bénévoles en Action, c'est incroyable. Rien que pour cet événement, pour la fête du fleuve, vous êtes une centaine. C'est bien ça, oui. Nous sommes une centaine sur l'événement Fête du Fleuve. Nous sommes aussi également présents sur la saison culturelle Liberté, qui est au cœur de Bordeaux, qui sont pour tous les Bordelais vraiment très très sympathiques. Exactement, alors Liberté, ça lance ce week-end la saison estivale, toutes les animations qu'il y aura sur Bordeaux Métropole. Bénévoles en Action, c'est quoi l'idée? Parce que vous êtes plus de 500, donc tu me disais, vous êtes hyper dynamique. Hyper dynamique, on est vraiment sur tous les événements de Bordeaux où ils ont besoin de bénévoles, où il y a besoin de renforts sur la sécurité, sur l'accueil du public, sur la gestion des flux de public. Hein. Et nous sommes aussi présents parfois pour monter et démonter les infrastructures présentes sur les événements. Alors ça peut être culturel, hein, comme c'est le cas. Alors là, on vous montre vraiment l'arrière de la scène. C'est vraiment la zone où, en général, on n'a pas le droit de venir. C'est la zone 1. C'est la zone vraiment VIP où les artistes, les très proches du spectacle... Les vraies grandes coulisses. Les vraies grandes coulisses. On est rentrés sans trop d'autorisation, mais on est des foufous, nous, et on n'a pas peur. Récemment, vous avez participé, Bénévoles en Action, à des événements très, très différents, sportifs. Très sportifs, sur la demi-finale du Top 14. Dimanche, nous sommes aussi très présents sur tout ce qui est Ruée des Fadas, une grande course d'obstacles dans la boue, avec la joie et la bonne humeur et le beau temps. Qu'est-ce qui vous plaît d'être bénévole en action à l'heure où le bénévolat parfois est dur à trouver? Parce que je crois que le plus jeune dans votre groupe a 16 ans. C'est exactement ça, le plus jeune a 16 ans. Et nous sommes surtout dans l'animation et
dans l'événement de Bordeaux. Et pourquoi ça vous plaît ? Pourquoi un jour on se dit je vais être bénévole ? Parce que tu me disais on est vraiment hyper actif, on s'inscrit à tous les événements possibles. Alors c'est vraiment pour être, quand nous sommes disponibles, pour faire des événements, sortir, voir du monde. Et c'est surtout rendre service quand on peut le faire et découvrir de nouvelles choses sur la saison culturelle, sur des événements sportifs, sur pas mal d'événements différents. Venez, on va s'approcher au pied de la scène. On va même essayer de voir si on peut pas regarder un peu d'en haut pour vous montrer ce que les artistes découvrent. Parce que je vois que la sécurité ne nous a pas vus. Alors avant de se faire virer par les vigiles, on va continuer la conversation ici. Regardez, là, il y a les choristes, là, il y a les musiciens. Et vous allez voir ce que les musiciens, mais les artistes aussi, de demain et de dimanche, vont découvrir. Et on a le droit en plus de faire du bruit parce qu'on n'est pas dans le grand théâtre et place des Quinconces, il y a du bruit. Regardez un petit bout là quand même. Je vous laisse admirer les images. Carmina Burana, composé par Karl Orff, que vous voyez, Karl Orff. Et là, on voit, ça s'arrête parce que le chef d'orchestre est en train de faire les réglages. Alors, par exemple, Maxime, ce soir et pendant la fête du fleuve jusqu'à dimanche, quelles sont les différentes missions ? Alors, les missions sont le comptage des personnes qui vont rentrer et sortir, la sécurité et l'animation des différents flux de personnes qui vont pouvoir être générés par l'événement. Alors la sécurité, c'est pas une mince affaire, surtout dans ce genre d'événement depuis pas mal d'années maintenant, c'est drastique. Alors c'est drastique, on est en renfort surtout avec les agents de sécurité et nous sommes surtout là pour essayer de donner un peu de joie à tout ça et de ne pas être militaire sur ces événements-là. Exactement, alors la musique va être très variée, c'est musique classique, il y aura aussi de la pop, beaucoup d'autres événements jusqu'à dimanche. C'est ça, musique française, des grandes têtes d'affiche, des super artistes. Demain nous avons Jérémy Frérot aux Asies et nous avons aussi dimanche Arcadienne et Jane qui sont des petits groupes très très sympas. Oui, Jane c'est un peu la révélation de l'année et Jérémy Frérot, des Frérot de la Vega, enfant du pays d'Arcachon qui avait fait ses adieux il y a un an ici même, place des Quinconces. Bon, à tout de suite Raphaël, je vous ramène après en bord de Garonne, au bord du fleuve. Merci Maxime. On va les croiser aussi, les bénévoles, là-bas. Je vais me cacher avec eux. Merci beaucoup, Benjamin. On compte sur vous pour nous faire vivre la suite de cet événement Bordeaux Fête le Fleuve. On suit ça en direct toute la soirée sur TV7. Et d'ailleurs, Bordeaux Fête le Fleuve, ça continue sur la page Facebook de TV7, puisque nos web reporters vous emmènent dans les coulisses de l'événement. Elles ont pu, par exemple, monter à bord du Cédov. C'est le plus grand navire école au monde qui est en ce moment accosté à Bordeaux. Regardez. Ça y est, je viens de rentrer dans le plus grand voilier navire école du monde. C'est impressionnant, on a un petit peu galéré à rentrer puisqu'ils parlent tous russe. Je viens d'entrer dans une chapelle orthodoxe. C'est impressionnant de voir une chapelle dans un bateau. J'ai la chance de pouvoir descendre dans les coulisses du bateau. Oh, c'est très pentu. C'est un peu noir. Je vais vous perdre. Alors quel âge as-tu, Alexis ? I am 18 years old. Qu'est-ce que tu fais sur ce navire ? I am studying on the ship. Est-ce que tu es heureux de faire ce travail ? It's so interesting place. It's a place which we had good practice at sea and it's so interesting and it's amazing. Alexis a un dernier mot à nous dire en russe. Спасибо, Бордо, что встретили нас так тепло. Voilà, tous ces reportages, vous les retrouvez sur la page Facebook de TV7. Et bien sûr, qui dit voilier dans le port de la Lune dit fermeture du pont Chabandelmas. Soyez donc vigilants si vous traversez la Garonne. Demain, l'ouvrage, vous le voyez, se lève dans la matinée et deux fois dans la soirée. Et dimanche, deux fermetures du pont sont également prévues. Tentez donc d'éviter le secteur. Et c'est ce soir, vous le savez, la fête de la musique, des dizaines de concerts dans les rues de Bordeaux. Et le trafic est modifié sur le réseau TBM. Les trams circuleront toute la nuit, mais ils seront interrompus ce vendredi entre 20h et 4h du matin sur les lignes A,
et B dans l'hypercentre. Et on termine avec ces images surréalistes publiées aujourd'hui sur Facebook. Vous le voyez, des baigneurs ont découvert une baleine échouée sur la plage de la Lagune à la Teste. Le cétacé d'une quinzaine de mètres a pu retourner à l'eau grâce à l'aide de plusieurs spécialistes, et l'observatoire pélagiste rappelle qu'il ne faut surtout pas approcher l'animal et faire immédiatement appel à des spécialistes. Vous restez avec nous sur TV7, on continue de suivre la fête du fleuve tout au long de la soirée. On va retrouver Benjamin Bardel dans quelques instants pour vous faire vivre l'événement.